Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir, bienvenue à l'émission Les Congo. Les Congo est une émission au Bino, au Père, au Tabi, au Sauté, démocratique du Congo, la diaspora et aussi la diaspora et puis démocratique du Congo. Ce soir, ton invité, M. Patrick Mbamou, ou Azali, coordinateur général et SID France, pour te parler sur l'actualité, ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. N'oubliez pas que nous avons vu Martin Fayoum faire un geste, aller déposer salaire dans une banque, salaire dans une banque, tant que député. Ça a créé polémique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes déplacés pour comprendre pourquoi Martin Fayoum a fait ce geste. Est-ce qu'il est sincère ou pas? Est-ce qu'il a fait juste pour montrer qu'il a fait ou pour un avantage pour la campagne électorale ou pas? Donc c'est pour ça que tu viens de comprendre en haut tout le temps, M. Mbamou, pour te dire comment tu peux développer ces points-là. Tu reparles aussi sur les vaches, parce que tout le monde a dit, le gouvernement, il y a la première ministre, il y a Bruno Tshibala, a Tindi, la ministre, il y a une abandonnée, dans la Bangombe, il y a une abandonnée. Est-ce qu'il est vraiment est-ce normal ou pas? Comment est-il possible un gouvernement, un premier ministre comme Tshibala, Bazo accepter Bangombe ou Rwanda avec siéger dans la bande de tout? On parlait aussi quand on a, on parlait aussi sur la négociation en coulisses ou l'évolution de l'église catholique, la marche de la République démocratique du Congo. On parlait sur la marche aussi, il y a les 25 février au Na Kinshasa et aussi partout dans la diaspora. Monsieur Mbamou Patrick, bonsoir. Bonsoir, monsieur Andreas Mouzou. Voilà, bienvenue dans les Congo. Tu es pas là-haut parce qu'aujourd'hui, le geste de Martin Fayoum, ce qu'il a fait aujourd'hui, est créé un peu polémique parce que nous avons même vu les anciens, quelques anciens Obanek au Kwana, Martin Fayoum, jugé à faire Wana, geste Wana, et cause à peut-être geste Moro justement pour la campagne électorale, là, mais pendant la campagne, un peu au Kwana. Alors, qu'est-ce qui lui a poussé à aller remettre cet argent? Qu'est-ce qu'il y a l'État alors que Nicolas Moussou, politicien aussi comme lui, Bazanaye, jamais, ça les gestes, jamais, ils ont six salaires, Mamango, et réputation, qu'est-ce qu'il y a l'État? Merci Andreas, na Montouna Nayo. Oui, acte, oui, et ça, geste était, ils ont dit acte, oui, honorable Martin Fayoum l'a posé, ils ont dit acte, mon grandiose, ce qui est aux ongles, c'est ma. Au moni, tant que l'indépendance en 1960, le premier président à Congo est qui Joseph Kasavubu. Pendant 5 ans, où Joseph Kasavubu a dirigé Mbokawana, sur la mission, il y a un révika où il y a un frais d'émission, il y a une banque centrale. Et en 1965, il y a eu un coup d'État. Mobutu a eu le pouvoir. Et celui total, depuis 65, ti 2018, et ça, 53 ans. Et pendant ces 53 ans, là, tout le monde a acté en dégolaté. Oyo, un homme politique digne de ce nom, a posé en haut. Et honorable Martin Fayoulou, il est la première personne, Oyo, à éveiller conscience à la population. Pour moi, il y a une vision dans les alliés. Ça, c'est la vision Fayoulou. Pour remettre le Congo sur les rails. Aux gens qui influent à l'État, distingué à l'État, et Tikala qu'il faut, ils ont dans la caisse. C'est le geste qu'il a promis. C'est l'acte qu'il a posé, cet acte-là. Vraiment, c'est l'acte très grandiose. Et ça a éveillé tout le monde. Oui, et ça a fait peur aussi à tout le monde. Et ça a grandiose et faire peur à tout, tout le monde au lobby, c'est vrai, mais pourquoi il est fait maintenant? Pourquoi il n'a pas fait en 2016 lorsqu'il va mandat va députer sur Silaki? Le mandat va députer Silaki en 2016, c'est vrai. Mais il y a eu un sursis. Au moins, 5 ans, après ça qui rallonge ma cour à 5 ans. Et puis si rallonge le pays et continue pendant un an pour organiser une élection digne de son nom. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Ce qui est accord il y a 5 ans, ils ont raté. Mais l'honorable Martin Fayoulou a l'ingaï qu'on a fait un monument en 2016. Tant que tu as un an, tout le monde était d'accord hein, autour d'une table. Il y a eu les accords il y a 5 ans. En tant que député, ah oui, bon,
je vais prendre mes émoluments et surtout n'avoir rappelé population congolaise les analibans les anakati pour les gens azo le baké en 2016 azo ça un bon voilà t'es pourquoi azo aussi j'étais assis j'avais sauté oui c'est là où je vais en venir hein, c'est là où je vais développer donc on développe point voilà. Non, non, pas sûr. Mais voilà, justement. Mais voilà, c'est. Et n'a pas sa réponse. Pour la dévancer déjà, la point là. Vous savez, alors, il y a aussi CGT, puisque le gouvernement est illégitime. Assemblée nationale illégitime. Ah oui, bon, moi, je vais travailler dehors. Puisque population, peuple, on t'a voté qui est. Soit un député national. Et Azouaki, Mbanoana, la population. Ah bon, moi je vais aller sur le terrain. Et sur le terrain, on connaît comment. Puisque lui, il n'a jamais travaillé dans n'importe quel gouvernement, il n'a pas été dedans. Lui, il a travaillé en dehors, il y a la République démocratique du Congo. Et puis, tant que Zongi n'a pas été dans le monde, il n'a pas été dans le monde. Il n'a pas été dans le monde. Il n'a pas été dans le monde. Ah oui, bon, comme je vais travailler dehors, en contact avec la population, na sensibilisé la population. Et c'est avec ces émoluments-là, il y a un peu qui est pour travailler sur le terrain. Mais les gens ne peuvent pas dire que pourquoi abîmer l'Assemblée nationale, mais bon, on a utilisé au fin de la population. Mais il y a une chose, mais c'est très compliqué parce que lorsque il a démissionné. Il n'a pas démissionné. Lorsqu'il a refusé de siéger en tant que député, oui. Parce que d'un côté, c'est comme si aussi qu'il allait qui l'acheter, on peut dire ça, parce qu'il a abandonné son peuple. Il aurait pu quand même démissionner. Non, il n'a pas. Il n'a pas. Voilà, voilà, c'est là où les gens n'arrivent pas à comprendre. À comprendre, pardon. Siéger, on démissionne. Il n'a pas refusé. Donc, l'Assemblée nationale est commis illégitime. Mais il va siéger en fonction de quoi? Parce que, il y a un moment qui la fois passée. Des gens comme président de l'Assemblée nationale, je n'aime pas citer le nom de ce genre-là. Là, actuel ministre Batiesouki à l'intérieur, Bazako Loba, comment dribbler la CENI? Le président de l'Assemblée nationale, Yom Dozo Kambaba, député, Dozo ça la messe noire, dis-moi. Tinani ni à connaître l'Assemblée nationale à Ningola. C'est pour cela, Abimi Libanda a travaillé sur le terrain. Mais c'est bon, est-ce que ce qui il avait démissionné à l'époque, en 2016, parce qu'il a pas siégé, ce qui a démissionné en 2016, vous ne voyez pas que ce geste-là est moins beaucoup noble que ce qu'il a fait peut-être aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout à l'heure. On a dit accord il y a 5 ans, et puis ça qui, et puis si tout le monde rallonge. Et rallonge, on est acquis, rallongement normal. Mais les autres en ont profité pour Nako. Qu'on brisait rêve il y a accord à 5 ans. Tout le monde avait. Mon frère, communauté internationale, Union européenne, Union européenne, Union africaine, tout le monde va dire non, accord Rwanda, les alliés le Congo louable. Et c'est ce qui avait fait que honorable Martin Fayulu a dit bon, on va travailler. Mais comme Assemblée nationale, les alliés et comme le Congo, c'est comme une propriété privée à Batou, ils sont là juste pour nous. Formater ma dégâts, si on peut le dire, il a dit non, je préfère aller travailler dehors. Il a travaillé auprès du peuple. La preuve, à sa déplacement na Bandundu, on lui en avait empêché. À Kenaba Congo, m'a empêché. Ma fond ou a utilisé pour aucun des qu'on contacter le peuple. Et ça dit, ma fond ou l'état européen a utilisé aux fins utiles. Parce que certains disent que quand tu as quitté la bande, nous va empêcher, mais ils disent qu'il y a eu des soutiens. Il y a quelques ministres ou un député à bande, dans la majorité, ils l'ont protégé parce qu'il c'était leur frère. Mais pourquoi protéger quelqu'un? Pourquoi protéger? Tu vois pas que ça n'a pas de sens. Mais pourquoi il n'a pas fait dans la province, même jusqu'à la bande? Sinon, à Bandi. Non, non, il a été au. Il a quitté la Kananga, à Kenda na Kiev. À Kenda Kananga. Akena Bandundu a quitté deux fois. Maliboso, Bazo survolé, Nyoki. Tour de contrôle à Kinshasa, Babi avion Fouizonga. Et la deuxième fois, cette fois-là, il avait pris le véhicule
Azuba Jeep accueilli. Et il avait surpris du monde. Population va sepelaki. Tant qu'on a Kinshasa. Qu'on a continué hôtel na Bakangi. Azongi croyant que bako arrêté à Kena Bakongo. Na Bakongo, on lui a même pas donné le temps à s'exprimer la population. Aïkozonga na Kinshasa. Voilà comment il avait quand même réussi à travailler dans les bandes de l'Assemblée nationale, ou l'Assemblée nationale caduque. Voilà, tout marqué pour ce qu'on vient juste après. Les Congo AL News, première chaîne d'info. C'est Mamou, aujourd'hui, lorsque vous parlez de Martin Fayoulou, promotion, campagne, partout, il se déplace pour les Congolais, il travaille pour les Congolais, tout à fait d'accord, Nayo. Alors, aujourd'hui, Martin Fayoulou nous a toujours dit qu'il est un candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, les élections, ça vous semble beaucoup plus sourd, en fait, ce qui est prévu, même s'il y a toujours des problèmes, donc il faut. Il faut transition continuer 3 ans, mais supposons aujourd'hui, Martin Fayoulou aujourd'hui, l'élection de Salamana Congo, est-ce qu'elle a toujours pour garder idée naïe ou vision naïe que Martin Fayoulou aujourd'hui candidat à l'élection? Mais bon, c'est le candidat valable pour nous redresser le Congo. Martin Fayoulou a dit candidat pour partir de l'Abisso, tout ça du congrès, tout désigné qui est à la candidat à la présidentielle. Bon. Pourquoi comment est-ce que mon mot a évolué? Puisque aujourd'hui, surtout à Koloba, puisque tout ça là qui vote mon en Europe, pour voter qui est un administrateur, puisque comme l'accord de la CENCO a été biaisé par des gens qui sont dans la mangeoire, donc bon, il faut tout ça à l'élection à travers le monde pour voter. Un administrateur au Kamba, Congo, pendant la transition sans Kabila. Et mon cabinet qui est dans le billet, Monseigneur Monsengo, le cardinal Monsengo. Ces élections-là n'ont pas été reconnues par ou par personne, parce que c'est disqué, ça n'a pas été signalé en France pour l'opérateur Congo en masse. Parce que nous avons fait ces démarches-là, nous avons vu avec les catholiques qui ont posé la question, est-ce que nous sommes ici de diriger les Congo aujourd'hui, tant que nous sommes citoyens du Vatican, c'est le pape et aussi l'homme de secret du Vatican, est-ce que nous sommes diriger les Congo aujourd'hui? Les catholiques ont dit, ils ne peuvent pas, si le pape a décidé de permission, ou si on lui donne permission peut-être pour 3 mois. Alors, lorsque vous votez Monsengo comme président de la transition sans Joseph Kabila. Administrateur. Administrateur. Oui. Est-ce que vous êtes rendu compte qu'au moins que ma tâche naïve dans le Vatican peut-être compliquer les choses à l'interne du Congo ou pas? Bon. Ce qui est un ami qui est à Zuba Pessie, à Val ou à la terre. Mais où est le secondaire qui est après l'élection? Et le docteur Denis Mukwege. Et lui, au moins, il peut aussi administrer, vu sa taille, vu sa carrure, vu sa personnalité, à quoi qu'on a vu son élection crédible. Est-ce que lui-même, on peut l'accepter, bah, dis-moi, je suis là. C'est ça le problème aussi. Est-ce que... Le peuple est en bas prouvé. Mukwege, il appartient au peuple. Ce n'est pas que le peuple n'appartient pas à Mukwege. C'est Mukwege qui appartient au peuple. Est-ce que lui-même accepté de servir le peuple comme le peuple souhaite? D'abord, Azali Mwana Mboka. À la souffrance, docteur Denis Mukwege a moni pour réhabiliter d'abord ma maman Nabiso. Ma maman Nabiso a perdu les valeurs, na Kivu, les femmes violées. Docteur Mukwege a perdu sa dignité. Mais ton dignité, docteur Mukwege a pissé dans ma maman, et soit dans ma maman, et soit pour tous les Congos en entier. Et nous aurons toujours le tout que nous avons dit, si jamais le cardinal Monseigneur qui va pisser dans la tête pour amener ma vision en tant qu'administrateur, il y a Congo pour la réélection, beaucoup crédible et loyal, mais la. Docteur Denis Mukwege. Est-ce que vous avez des marches pour lui convaincre? Parce que jusqu'à présent, il ne s'est jamais prononcé qu'il accepte des marches. Voilà. Est-ce qu'au moins, vous avez des marches en privé, peut-être pour comprendre ses pensées, est-ce qu'il est dans ses projets ou pas? Mais tant que le fait
Etienne Tshisekedi a dit, prenez-vous en charge. Le peuple est en train de se prendre en charge. Tant aujourd'hui, de toutes les façons, souveraineté et ses honneurs en le peuple. C'est une question de temps. Ce que commis Nasuka, la souveraineté, le peuple l'a déjà récupéré. T'as coupé c'est un mot, la moteur ou à combien de élection. Merci Mamou, alors nous avons approché vers la fin. Aujourd'hui, le gouvernement a Bruno Tshibala, Tindi ma ministre est avant de nous pour voir ce qui se passe avec ces vaches. Analyse Nalino, comment vous pouvez que le gouvernement a bâti sa ministre Bruno Tshibala, bâti ma ministre pour aller voir ce qui se passe dans l'Ouest, dans la République démocratique du Congo, sachant que Mamou a un petit mois là pour siéger dans la bande de nous. C'est très dommage, hein? C'est très très dommage. On a évité Mbokarangai, Mbokabakokonabiso, toujours même à Nguap. Chibalaza, Azar Rwandete, c'est un Kassaïen. Moi je suis de Bandundu, toi tu es du Kassaï. Moi je suis congolais. Non, je parle de la région d'origine. Bangombewana et Outina, dans Rwanda, et traverser le deux Kassaï. Et comme il a abandonné, et ça est presque plus de 2000 km, Mangoumé Moussou, Mangoumé Moussou, Mangoumé Moussou, Mangoumé Moussou, Mangoumé. Et quand je vois la lettre écrite par ce monsieur, qui voilà, Bagin Rotala, état de santé, il y a Vachouana, et puis il y a problème, il y a cohabitation avec les autochtones. Franchement, c'est très déplorable. Et à faire déléguer sous 6 ministres pour aller juste, il y a l'angouille, il y a quelque chose qui se cache derrière. Comme on dit, l'angouille sous roche. Mais est-ce que aujourd'hui, et c'est le Romoko, ce n'est pas normal. Est-ce qu'aux autres trouvons une bizarreté parce qu'aujourd'hui, aux autres parlant, moi étant que représentant, il y a ici des Europe, mais nous, ça dérange un peu tout le monde, la classe politique congolaise, la position générale. Personne n'en parle. Parce que, bah, Yébi, tu sais, quand tu as la bouche pleine, tu ne peux pas parler. Ils le savent. Bangombe les Anani. Bah, Yébi, en gros. J'ai un ami qui vous, Aïb Sangalobi, avant qu'il soit ma vache, on est comment dans Bandundu. Ce monsieur, il milite beaucoup pour les Kivu. Aïb Sangalobi, au moins il va faire masseke salaboué. Na Kivu, basa na proverbe mo balobaka. Vachou na soit n'akota na ndaku na yo, akota na difficilement. Asa masseke na yeboué. Asa masseke na yeboué. Soit, koti na ndaku, pour abima ça devient un problème. Au moins le proverbe wana. Il nous le au Rwanda soit à côté pour le meilleur problème. Et c'est ce qu'on va. L'autre au Sibiu et en moi, ce qui bande de la télémité. Et qu'on s'embrasait le roi la Kassai. Et pour jouer à Boukangalon, voilà la finalité du projet, c'était ça. Et Baili tia bandundu, Bazali wapi. Mais c'est ça le problème, parce que personne n'en parle, c'est sauf compliqué, sauf. La seule personne qui avait parlé, c'est l'honorable Martin Fayoulou. Tant que Vachon Zaï Moussika, il avait déjà alerté le monde. Et c'était comme ça. Je t'ai dit, tu peux même aller dans YouTube au Luka, au Romain Nayango. Tu peux même consulter tes confrères journalistes. Le journaliste Fabien Koussouali Kaya Téléchang, il en avait parlé. Abi. La seule personne dont on parlait qui sur le vache aux Akoya, c'était Martin Fayoulou. Tu peux même appeler ton confrère Fabien à certifier le Rosalobi. En tant que journaliste, mais c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe devant nous, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? On voit l'ancien premier ministre congolais, Ozala, qui, avant Matata Mpongyon, est allé sur place pour accompagner, faire siéger ces gens. Et vous, maintenant,
temps que tu bandes, qu'est-ce que vous pensez maintenant entre vous? Parce que ça. Non, non, ça non, pas vous en tant que bandes, vous en tant que Congolais. Puisque ces vaches-là ont traversé tout Congo. C'est ce que j'ai dit, ça concerne tout Congolais cette histoire maintenant. Lorsque ça tombe sur ces sols-là, vous en tant que politicien, Moussalanini. Mais ces vaches-là doivent rentrer et pas Ibaouti. Et nous avons dit tout à l'heure, Babi, que nous avons campé, on a fait un sourire à Bukanga Alonso. Donc au final, c'était quoi? Donc ferme avec maquillage. C'était un projet déjà bien ficelé. Et le peuple de Bandundu a été, comment dirais-je, a été trompé. Tu vois, c'est ce gouvernement. Toujours des tromperies en tromperies, des tromperies en tromperies. Est-ce que tu ressens la confiance dans ta langue, voilà, Andreas? Merci beaucoup, M. Mamou. Alors, maintenant, toutes nos questions, mon parce que aujourd'hui, tu as été on a posé une question sur la rapport à l'adhésion au mouvement Abino. Aujourd'hui, les gens s'intéressent à votre mouvement. Il y a certains qui nous posent des questions. Comment va-t-on adhérer au mouvement Abino aujourd'hui, si, parce que vous pensez peut-être qu'il faut adhérer ici des. D'abord, essayer des alliés engagement de la citoyenneté pour le développement. Dans la vallée, on a juste tout perdre, on a tout le monde sur côté. Honorable Martin Fayoulou a sali, a posé acte moko noble. Et ça fait tiquer du monde. La plupart, il y a des députés, Oyo, Bafan Arabo, soit Nanaza d'accord, Batombo le Misapi. Qui dit oui, bon, il soit tombé Misapi. Pour l'année, bah, un monument. Tu t'imagines, Bappé sur Jeep en tant que député, aux autres, on a bon, poté qu'à Jeep. La plupart des députés en mangeoire. Quand Bappé s'en va à Jeep, on a bon, on a bon, preneur. Bon, Moutouanini, on a. À raison, c'est mon humain. Il a fallu la faire, à sa digestion, c'est mon gros grandiose. Oui, il a battu et belé, il a félicité, il a vu vraiment, au fond, il a battu. Et tout le temps, il a mis sous, ce qu'on a raison, ça t'est. Ce qu'on a adhéré à la SID, nous avons un siège national à Paris, au 55 rue de Dunkerque, 75009 Paris. Où elle a contacté un rail, à bien 07 61 86 60 44. Donc, au Bandel Soussou, 07 61 86 60 44. Voilà, je rappelle que le numéro est M. Mamou et vous avez affiché dans l'émission d'Abisso. Merci beaucoup, M. Mamou, de nous répondre à la question d'Abisso. Vraiment, nous vous aurons prochainement pour évoluer encore. Merci encore à l'équipe technique de Mimba, l'équipe de l'organisation, Kalkanik Mevin Mangala, la caméra et Marion Drossa. Merci de nous voter à l'émission et surtout vous partager, vous abonner largement à l'émission d'Abisso, de tout le monde, parce que c'est vrai, je suis Congolais. Kabila Nature. À très bientôt. Les Congo à L News, première chaîne d'info.